Je suis Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, députée de la Seine-Maritime et ancien maire de Fécamp. Je suis Marie-Claude Jarreau, maire de Montceau-les-Mines, territoire d'industrie en Bourgogne. Et donc je suis François Ponté, je suis président des activités de Solvay France. Nous travaillons sur la résorption des friches et l'installation d'usines. Ce sujet est extrêmement important pour l'aménagement du territoire et nous auditionnons évidemment les personnes qui sont concernées par le sujet. Nous avons fait plus d'une trentaine d'auditions, c'est-à-dire à peu près 70 personnes. Nous avons auditionné énormément de parties prenantes, que ce soit des administrations, des ONG, que ce soit aussi des industriels, bien sûr, de l'industrie lourde, mais aussi de l'industrie de demain, des batteries, des électrolyseurs. Nous auditionnons aussi des élus locaux, des autorités déconcentrées de l'État pour avoir leur avis quant à la résorption des friches et l'implantation d'usines. C'est parce que je pense qu'il est essentiel pour notre pays. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment souvent sur la jeunesse qui se dit « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Et là, on a vraiment un thème qui tient très à cœur, la réindustrialisation du pays et notamment l'enjeu de la réindustrialisation verte. Moi, je trouve que c'est plein d'avenir et plein de perspectives. Je suis maire d'un territoire qui subit quelquefois les friches, qui les résorbe évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les Français aiment l'industrie et que c'est très important que cette industrie reprenne pied en France et bien sûr une réindustrialisation propre, une réindustrialisation verte. Je suis le témoin de tout cet élan, de cette énergie, de cette innovation possible en France et il faut que maintenant elle s'industrialise en France.